Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart. Lien dans la description, c'est le meilleur site du marché. Tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo, un nouveau SBC. Grosse affiche, un prix, ma foi, assez élevé quand même, je trouve. D'habitude, on est des fois un peu moins de 30K. Là, elle est annoncée à 30K sur PS4. Et un peu plus 36 000 sur Xbox One. 4 matchs, on va dire, plutôt intéressants. On va dire 3, parce que bon, qui c'est qui va se mater le match de D1 japonais, j'en sais rien. Par contre, voilà, Saint-Étienne-Marseille, c'est très intéressant. Et c'est vendredi soir. Tottenham-Arsenal, ça aussi, c'est un choc. Parce que Tottenham est très performant en ce moment. Arsenal a gagné 5-1, je crois, contre Everton, avec pas mal de nouveaux petits joueurs, notamment bien sûr Mkhitaryan et Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a aussi un match important en Espagne pour Valence qui a besoin de se relancer. Et il joue contre Levante. On va commencer par le premier SBC de Saint-Etienne. Alors je vais vite vous indiquer un petit peu les prix. Voilà, on est à peu près à 6000 crédits, un petit peu plus de 7000 sur Xbox One. Pour le défi de Saint-Etienne OM, il faut un joueur de Saint-Etienne. Je suis parti sur un joueur que j'ai dû acheter, que je n'avais pas. Ryan Suissi, voilà. Et le joueur de Marseille, j'ai mis Mandanda. Il faut au moins 5 joueurs de Ligue 1. Bon, moi, je suis parti sur une full Ligue 1. J'ai mis des invendables, voilà. On part sur du Malcuit, c'est Traoré. Hilton, je connais pas ce joueur. Engan Yoni, Louis, on va l'appeler, c'est plus simple. Le numéro 6, Poblette. Comme je vous ai dit, sous ici, on a du série. Ici, c'est Nkololo. Ici, c'est Yaroslav Plazil. Et en pointe, c'est Nyan. Voilà. Défi, ma foi, pas très cher. Avec un petit pack joueur Electrum Premium en récompense. On enchaîne tranquillou sur le défi de Tottenham vs Arsenal. Il faut 2 joueurs de chaque. Je suis parti sur Tottenham que je cherche. J'en vois 15 sous mes yeux. Ah bah, Rose ainsi que Foyt. Voilà. Et 2 joueurs d'Arsenal. Coquelin, malheureusement, qui n'est plus Arsenal, qui est à Valence. Avec Walcott, on part sur au moins 3 rares. Bon, bah, c'est le cas. Il faut 78 de notes. Du coup, gardien de but, il s'agit de NSA. Latéral droit, Kelly. Williams et ce joueur, j'ai oublié, Foyt. On a bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai oublié aussi son nom, Danny Rose. Le milieu gauche, Canadien, Hartfield. Le milieu de terrain, Westwood, avec Coquelin, avec Walcott, De Poitre et Sturridge. Voilà, donc après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Ce défi, il est à peu près en 10K sur PS4 et à peu près de 15K sur One. Comme je vous dis, bah, vous de faire en fonction, bien sûr, de ce que vous avez dans votre club. Hein. Vous avez plein de joueurs, et bah, mettez-les dedans. Et on a pile poil les conditions nécessaires. On enchaîne sur le défi du Japon, Kawasaki contre Osaka. Il faut un joueur, bah, soit 2 joueurs, soit 1 et 1. Moi, j'ai fait 1 et 1. Le buteur ici, qui est de Kawasaki Front, pardon, donc Kobayashi. Et j'ai mis un MDC ici de Yamaguchi, qui est un joueur de Osaka. Et après, bah, j'ai remis un petit japonais ici. Et puis, vu qu'il faut seulement 67 de notes, partez dans des petits championnats où il y a pas mal de joueurs argent qui vous servent jamais. Je parle bien sûr de la Ligue 2. Comme vous pouvez le voir ici, on a un petit côté de Ligue 2 ici avec Jérémy Clément. Ici, c'est Jibo et ici, c'est le défenseur à Diane. Et après, je suis parti en Bundesliga 2, voilà. On a mis Moll, on a mis ici Zimmer, on a mis ici Marc, c'est plus simple à prononcer. Et après, je suis parti dans la division 3 allemande, voilà, où j'ai mis ici Bernhard et le MOC ici Trinks. Voilà, donc franchement, voilà, partez dans les championnats que vous avez dans votre club, qui sont très peu utilisés. La Ligue 2, la Bundesliga 2 et 3 sont souvent les championnats où vous avez beaucoup de joueurs qui vous servent jamais à rien. Donc c'est le moment de les glisser dans ces SBC. Un SBC pas très cher, il est à moins de 3000 crédits. Vraiment cadeau. On enchaîne sur le défi de Valence contre Levante. À peu près 10K sur les deux plateformes. Un petit peu plus cher, bien sûr, sur Xbox One. Où il faut un joueur de Valence. Le seul que j'avais, c'est ici. C'est Maximovic. Un seul joueur de Levante que j'avais aussi. Et bah, c'est Postigo. Et après, je suis parti sur une full Liga BBVA en mettant, bien sûr, un maximum d'Espagnols. Parce qu'il faut 6 Espagnols. Minimum 6 Lesen. On a Demarcos. On a Nacho. On a Johnny. Oui, c'est ça. On a du Castro. Ici, je ne connais pas. C'est Garcia. Ici, nous avons Brazana. Le milieu droit, Emre Mor, et en pointe, c'est Canales, l'ancien joueur du Real de Madrid. Voilà, un défi franchement assez simple, avec un pack joueur Electrum Prime en récompense. On a clôturé le SBC, on obtient bien sûr en récompense un petit pack qui fait, ma foi, plutôt plaisir. Un pack joueur Electrum rare, ça j'aime bien, si je dis pas de conneries, c'est 6 joueurs or,
6 joueurs argent et les 12 rares. J'ai aussi fait le petit SBC, je crois que c'était Diego Costa ou je sais plus quel SBC il fallait faire. Il y avait pendant 2 jours, enfin pendant l'intégralité de 24 heures, c'est quoi? C'est le défi de Diego Costa, voilà, qui coûtait pas très cher, à peu près à 10-12 000 crédits. Je l'ai fait, du coup ça fait un petit peu de pack en plus. Allez, c'est parti, les petits packs. Je sais même pas pour quel défi c'est le pack, peut-être le défi où il y a les japonais, je sais pas, j'ai pas fait attention. De toute façon, voilà, il n'y a jamais rien dans ce genre de petits packs. Par contre, il y a quand même moyen de taper quelques petites animations. En tout cas, je l'espère, parce qu'il y a des packs où il y a quand même pas mal de joueurs rares. Donc, faut toujours un petit peu de réussite. Mais bon, voilà, dans un petit pack jumbo, pack à 15K, il y a 7 éléments rares. Peut-être, bon, c'est pas le cas, peut-être, tu peux espérer aussi de temps en temps taper un petit joueur rare, une animation, éventuellement. Bon, après, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, ça te donne des cartes formes. Et bien, comme par hasard, on sait pas qu'il y a rien. Il n'y a pas de joueur rare, il n'y a pas de carte forme. En gros, ce pack, il sert à rien. Par contre, tout ce qui est contrat consommable, pooh, ça casse les steaks. Ensuite, un mini pack à 25K, parce qu'il y a 12 joueurs, au moins 10 en or, avec une seule carte rare, qui peut, ma foi, des fois être un joueur argent. Hein. Oh, oh, TW. Oh, TW. Dans... Oh, il y a un seul joueur, les frérots. Français, Coquelin. C'est ça? Ouais. Oh, un seul joueur rare. Eh ben, c'est Coquelin. Eh ben, ça, c'est beau. Ça, franchement, c'est beau. Le SBC est largement remboursé avec un petit Francis Coquelin dedans. Ah non, ça l'a compté. Y a... Ah, d'accord. Donc, en gros, il y a quand même un joueur rare en plus de l'OTW. C'est un peu qu'il y avait une seule carte rare. Eh ben, c'est du Coquelin. Eh ben, franchement, c'est cool. Bon, le prix, comme je vous le dis, hein, c'est un peu plus de 35 000, 40 000 peut-être. Ouais, quelque chose près, c'est ça, c'est le prix de toute façon de tous les SBC, enfin de tous les MWW, parce qu'il y a en ce moment les SBC. Ben voilà, le défi est déjà largement remboursé et on a ouvert 3 packs, si je dis pas de conneries, il en reste encore 5. Et ben là, on ouvre le même pack, pack joueur or, il y a une seule carte rare et on a eu un OTW. Et ben franchement, c'est pas mal. C'est une petite carte or, déjà c'est franchement cool. Non, il n'y a rien à dire. On va pas se plaindre, franchement, à chaque fois que je fais les SBC grosses affiches, je pense depuis le début du jeu, 85, voire même 90% des SBC ont été remboursés, voire même des fois largement gagnants. Bah, je trouve ça plutôt intéressant. Et je vous invite franchement à les faire. Parce qu'en plus, ça peut déjà aussi vous renseigner sur les matchs importants des fois du week-end. Et puis, comme je vous le dis, si vous avez des fois des joueurs dans votre club, soit vous les utilisez pour les SBC, et si vraiment vous en avez trop, bah vous les vendez. Parce que des fois, il y a des prix qui sont assez, wow, assez up, assez exorbitants. Donc vous pouvez faire pas mal de bénéf. On va ouvrir celui-ci, pack joueur à l'étoile prime. Donc là c'est un pack, comme je vous le disais, avec 6 éléments rares dedans. Donc il y a 6 or, 6 argent. Et là aussi tu peux avoir une petite animation. Bon, il n'y en a pas, c'est pas grave. Au moins c'est 3 joueurs rares. Au moins 2 garanties, c'est un bon point. Fred, Ochoa et c'est qui l'autre joueur? Donc on a vu 3 étoiles, on a dû compter un joueur argent, on sort bon, ça peut peut-être servir aussi. Faites attention à certains joueurs argent en ce moment parce qu'il y a des SBC qui coûtent cher. On va ouvrir celui-ci, c'est un petit pack pas ouf, hein. Il y a 12 éléments, 4 or et seulement 3 rares. Pas d'animation, bah heureusement, pardon je suis un peu malade, heureusement que Francis Coquelin est déjà passé par là. Hein. Parce que pour le moment, bon, Fernandinho c'est pas mal, Debuchy ok. Ouais. Wix, Grady... Biragi, ouais, bon. Heureusement quand même que Coquelin est passé par là. Parce que pour le moment, on a eu une seule animation. Après, c'est une animation qui te rembourse largement le SBC. Donc au final, t'es content. Et on termine sur un pack joueur Electrum rare. Ça, j'aime bien parce qu'il y a 12 éléments, 6 or, 6 argent et tous rares. Ça correspond à peu près à un pack à 50K, si vous voulez, mais entre guillemets, en moitié joueur or et moitié joueur argent. Dernier pack, pas d'animation. Et ben, c'est pas grave. On a eu Francis Coquelin qui nous a largement remboursé le SBC. Et Berardi, Oziakoum, Joazinho, blablabli, blablabla. Moi aussi, je t'aime bien. Parfois, j'ai pas fait attention aux joueurs argent. Bon, je pense pas que ça soit très, très, très cher. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur le SBC. Gros, ça fait. Je vous invite vraiment à les faire, comme vous avez pu voir. Depuis, je pense, ça fait peut-être un peu plus d'un mois qu'à chaque fois, on est systématiquement remboursé. La semaine dernière, on a tapé des joueurs très intéressants. Là, c'est un OTW. Franchement, il n'y a rien à dire. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.